Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la proposition de valeur. Alors, la proposition de valeur, c'est la chose la plus importante que le visiteur de votre site web doit voir en premier. C'est une phrase courte qui explique la valeur de votre service ou de votre produit. C'est une phrase qui doit être courte, compréhensible, qui doit donner des résultats concrets éventuellement. Il faut éviter des slogans magiques comme formidable, extraordinaire, super, ou alors des remises sur des produits, ou alors des prix agressifs, ou des cadeaux, par exemple une livraison gratuite ou un conseil gratuit. Ça n'explique pas exactement ce que vous allez faire et à qui vous allez le faire. On peut écrire de plusieurs façons votre proposition de valeur. La plus simple, c'est de dire « Notre produit ou notre service ou notre marque aide ce type de client » en expliquant quel type de client précisément, « à résoudre ce type de problème » en étant aussi très précis sur le type de problème et en faisant telle action ou en offrant tel type de service ou tel type de produit. Il y a 5 types de propositions de valeur. Sur la fonctionnalité, quel problème et quelle peur résout votre produit ou votre service. Émotion, vous allez associer émotionnellement vos clients à votre marque. Économie, votre produit vous fait gagner du temps et de l'argent. Symbolique, vous allez déterminer les valeurs sociales ou symboliques, par exemple la lutte contre la pollution ou contre le réchauffement de la planète. Des valeurs finales, c'est-à-dire la satisfaction du client et la recommandation d'un utilisateur qu'il a déjà utilisé. Nous allons voir des propositions de valeur de grandes marques. Ce que vous devez faire, c'est regarder un petit peu comment construisent la proposition de valeur vos concurrents. Et ensuite, vous allez écrire 3 propositions de valeur que vous allez pouvoir ajouter dans des pages d'accueil, dans des landing pages, de façon à essayer de voir celle qui attire le plus de trafic.